Alejandro Carnero from Peru, and I'm distributing. I head the distribution here. We're distributing water, and we're distributing hygiene kit, and jerry cans, and plastic sheeting. And well, it's always difficult, but this distribution is working good. Après, comme vous pouvez le constater, après ce tremblement de terre, les gens ont tout perdu. Mais c'est bien de les donner un prélat, de l'eau, kit hygiénique et d'autres choses. Mais aussi, nous devons penser maintenant à long terme. À long terme, dans cette zone, la zone de Fort Mercredi, nous devons penser à la reconstruction. À la reconstruction parce que les gens ont grand besoin de cette reconstruction. Et c'est pour cette raison que je suis prêt. J'ai bien dit que je suis prêt. Et je veux travailler avec OIM sur la zone de Boulos pour voir comment nous pouvons reconstruire cette zone afin que nous puissions dire vraiment, ça c'est un modèle pour toute la communauté haïtienne. Les Haïtiens, nous allons nous mettre ensemble pour travailler, mais aussi il nous faut des conseillers, par exemple, les organisations internationales, les bailleurs internationaux, tout ça, il nous faut des conseillers. Donc on va travailler avec les conseillers. Mais c'est nous les Haïtiens qui allons prendre en main notre destinée. Il se passe beaucoup de choses. À tout le monde. Perdu, ta maman, ma soeur, mon frère et mes enfants. Beaucoup de famille. La situation est très compliquée. Il fait chaud. Bon. On ne dort pas trop bien. Mais nous mangeons quelques petites choses, mais pas trop. Nous avons préparé de l'eau potable. C'est moi, j'ai mon bon. On a donné le riz, l'eau, bonbons. Le poids. Non, pas l'huile. Pas de l'huile. Écoutez. Pas de poids. Mais on a donné beaucoup de riz. On va parler de la réunion là. Bon, les Haïtiens. Les Haïtiens. Pas international parce que international bon nous aidons mais c'est nous les Haïtiens qui fait plus d'efforts. There were no problem. People were organized and very well organized actually, so we didn't have to we just supervised it, you know. So, well, very good.